Bonjour à tous et bienvenue dans Redub. Ça fait maintenant un paquet de temps que vous me demandez de faire une vidéo sur la VF de South Park et ça fait à peu près autant de temps que je vous explique que je ne veux pas faire d'émission sur la VF de South Park. Pourquoi, vous demanderez-vous assez légitimement? Est-ce que tu ne l'aimes pas? Est-ce que tu la trouves ratée? Bien au contraire. South Park, c'est une de mes séries préférées et sa VF est unanimement reconnue comme une bonne VF. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai pas envie de faire une vidéo dessus. Tout a déjà été dit. La VF de South Park, tout le monde l'aime. Aussi bien les fans de VF que les anti-VF, qui ne perdent jamais une occasion de cracher sur le doublage, mais South Park, j'avoue, je regarde en VF. Je suis pas sûr que l'équipe de la VF de South Park ait besoin de vraiment beaucoup plus d'exposition et de mise en avant. Ce sont eux que l'on met le plus souvent en avant pour parler du monde du doublage, avec les comédiens des Simpsons. Ils ont déjà fait l'objet de documentaires et de longs reportages, sont régulièrement invités en convention et dans des événements spéciaux. On les a beaucoup réclamé, hélas en vain, pour les récents jeux vidéo. On les croise assez régulièrement sur la toile, que ce soit dans Stream VF, sans sous-titres ou même dans la légende, et moi-même j'ai déjà eu moultes occasions d'évoquer la qualité du travail d'adaptateur de William Corin sur GTO comme sur Futurama. Bref, la VF de South Park, tout le monde la connaît déjà et tout le monde l'aime déjà, que ce soit en Suisse, en Belgique et même au Québec. Et pourtant, au Québec, généralement, ils préfèrent leur doublage maison. Alors vous allez me dire, oui, bon, enfin, c'est un petit peu facile, au Québec, ils ont pas de doublage maison de South Park. Ah bon? South Park est donc une série animée américaine de Trey Parker et Matt Stone et diffusée depuis 1997 sur Comedy Central. Elle raconte l'histoire de quatre gamins, Kyle, Stan, Cartman et Kenny, et de leur enfance paisible dans la petite ville de South Park, dans le Colorado. La version française de la série a été réalisée dans de nombreux studios, de l'européenne du doublage à Deluxe, en passant par Sonody et Lilo, sous la direction tantôt de Gilbert Lévy, tantôt de William Corin, tantôt de Thierry Vermuth, mais toujours et depuis 25 ans sous la plume de William Corin. C'est cette version française qui a été diffusée sur Canal+, puis sur Game One, qui est un petit peu devenu le transfuge de la série. Mais elle a également été diffusée en Suisse, en Belgique et au Québec. En effet, si les Québécois ont pour habitude de doubler les séries animées pour adultes comme les Simpsons ou les Griffins, ce n'est pas le cas pour South Park, qu'ils ont diffusé en version française depuis le début. Regarde South Park, samedi dimanche à 22h30, suivi de Les Simpsons. Enfin, c'est ce que je croyais. Mon niaiseux de frère essaie de me suivre à l'école encore. Car oui, les amis, j'ai la grande, l'immense joie de vous annoncer que grâce à un tweetos facétieux qui les avait enregistrés à l'époque de leur diffusion, un grand merci à lui, nous avons remis la main sur le doublage québécois perdu de South Park. Pas celui du film cinéma, hein, en français normatif, avec les chansons traduites et qui a circulé un petit peu de ci de là. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé! Non, je vous parle bel et bien de celui de la saison 1, avec Xavier Dolan dans le rôle de Stan, et surtout, en joie, avec toutes ces hosties de tabarnak de Corlys d'Orignal et toutes ces insultes débiles qui nous font bien rigoler! Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que tu penses que les insultes françaises nous font pas rire? Oh mon dieu, c'est le Jésus québécois, il vient me sacrer une volée! Vos putains de bordel de merde, saloperie de connard d'enfoiré, tu peux te les enfoncer où je pense, mais, hein? Mais bon sang, mais qui me parle? Alex Dornu de la chaîne Popcorn, à votre service. Donc, pour commencer, on se calme, là. Vos jurons à vous sont tout aussi drôles pour nous, surtout avec votre accent. Un accent? Comment ça, un accent? C'est vous qui avez un accent? Ben oui, c'est ça. Mine de rien, nous, au Québec, on a grandi juste avec la VF de South Park, parce que quand la série a d'abord été diffusée dans les années 90, c'était à Télétoon la nuit avec le doublage français. Avec les putains de merde, les espèces d'enfoirés et les « je vais te niquer ta race ». Oui, bon, bah ça va, on a compris. Il faut savoir que même si, aujourd'hui, on double pratiquement tous les films au Québec, nos séries télé restent très souvent doublées en France, donc on est habitué d'entendre votre accent. Et puis dans le cas de South Park, qui est tellement vulgaire, ça rajoute même un côté comique d'entendre des grossièretés françaises qu'on comprend pas nécessairement. Alors va te faire foutre, Kyle! De toute façon, je veux pas y aller à ton anniversaire de merde! Je te pisse à l'arrêt, moi, connard! Mais c'est pas toutes les séries qui sont doublées en France, il y a des exceptions, particulièrement dans les dessins animés pour adultes, qui vont avoir tendance à être doublées au Québec, avec un accent québécois. Oui, parce qu'habituellement, vous doublez vos séries et vos films en français normatif, c'est bien ça? Pour rappel, le français normatif ou français international, c'est le français standardisé, validé par l'Académie française et débarrassé de ses oripeaux régionaux. J'ai consacré une vidéo sur le sujet, je vous y renvoie pour plus d'informations. Tu crois aux fantômes? Peut-être que la Letty qu'on a connue n'existe plus. On ne tourne jamais le dos à la famille, même si elle le fait. Exact.
Mais pour une raison mystérieuse, en dessin animé, on se permet allègrement de soigner du joual tout bord, tout côté. On peut penser à les Pierres à feu, les Simpsons, évidemment, les Griffin, Rick et Morty, Henri pis sa gang. Henri pis sa gang? Rencontrez Henri pis sa gang tous les mardis, 19h, à TQS. Ah oui, d'accord, King of the Hills. Si tu veux. Bref, on dirait qu'avec le dessin animé, on a une latitude qu'on n'a pas avec le doublage en prise de vue réelle. Oui, tu veux dire en live action. Coudon, si tu veux, on va la faire direct en anglais ta vidéo, là, on se cassera pas le bessic à parler en français. Non, non, pardon, t'as raison. Employons les termes français. Parlons VF. Très subtil. Il y aurait beaucoup à dire sur l'utilisation du français normatif au Québec, ça mériterait certainement une vidéo complète là-dessus, mais pour faire court, La vraie vie c'est en québécois, et les films et séries étrangères c'est en français normatif. Et les dessins animés en québécois ne sont qu'une sympathique exception. Et donc le doublage français de South Park a eu beaucoup de succès ici. L'accent était pas une barrière pour nous, vu qu'on était déjà habitués au normatif, et les énormités à la française nous ont probablement fait plus rire que vous. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de doublage québécois au début, c'est beaucoup plus rigolo en français de France. Ouais, comme nous avec les têtes à claques, quoi. Avec le Willy Waller 2006, là, ça va te prendre deux fois moins de temps pour éplucher des pétards. Vous connaissez les têtes à claques? Ce qui nous amène à la chaîne de télé québécoise Nouveau, qui s'appelait avant V et qui s'appelait avant ça TQS. Oui, cette chaîne de télé a beaucoup de problèmes d'identité. Bref, quand TQS a amorcé son premier changement d'identité vers V Télé, ils ont lancé en même temps toute une panoplie de nouvelles émissions en adaptant à la sauce québécoise plusieurs concepts étrangers populaires, tout ça dans l'espoir d'attirer le plus de téléspectateurs possible. Faut savoir que TQS, c'est la chaîne qui avait fait le premier doublage québécois des Simpsons, un doublage qui est immensément apprécié chez nous. Je m'en vais t'avoir, puis tu vas y goûter. Tu peux toujours essayer, mais tu y arriveras pas parce que ton père est bien plus intelligent. Que tu le penses, mon garçon. Il semblait donc logique que dans la foulée du lancement de la nouvelle identité V, qu'ils essaient de recréer le même phénomène avec un doublage québécois de South Park, mais 11 ans après la première diffusion de la VF. Hey, amenez-moi à South Park, que je fasse la foire toute la nuit. Où tout le monde est bien avenant, délivré de toute occasion. Et du coup, elle vaut quoi, cette version québécoise? Ben, c'est à toi de me le dire, c'est toi qui connais mieux South Park. Ah ben non, c'est à toi de le dire, c'est toi qui manges du sirop d'érable. Hey, franchement, là, les gros clichés. Bon, écoute, je te propose qu'on regarde ça un petit peu ensemble, à mon avis, on sera pas trop de deux, hein. Bonne idée. Alors, attaquons-nous à ce doublage québécois. Que vaut-il face à la VF? Que vaut-il tout seul? Et surtout, est-ce qu'il aurait marché s'il n'était pas arrivé aussi tard au Québec? Telles sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre tous les deux en toute objectivité. L'adaptation française de South Park est donc signée depuis bientôt 25 ans de la plume de William Corrine. Ouais, c'est correct, on a compris, là, ça fait trois fois que tu le dis. William Corrine, c'est vraiment, selon moi, l'une des pointures du métier qu'on a en France. Reviens-en de William Corrine, là. C'est-tu le bon Dieu, William Corrine, c'est un sacrifice? Il a toujours le bon mot, la bonne référence, a parfois réussi à se dépatouiller de situations inextricables, sans parler de son savant dosage de la vulgarité. Parce que oui, South Park est vulgaire en VO, ça c'est une évidence, et du coup, l'adapter est un vrai numéro d'équilibriste, car il faut à la fois ne pas avoir peur des gros mots et de balancer des fameux putain de bordel de merde, espèce d'enfoiré et j'en passe. Tu trouves ça marrant? T'es qu'un enfoiré de merde! Putain de connard! Connard, t'es qu'un connard de fils de pute! Mais également de ne pas avoir la main trop lourde et d'en mettre partout tout le temps. Et puis il y a des mots qui sont plus ou moins grossiers que d'autres. Et il faut savoir par exemple trouver un juste milieu entre enfoiré et fils de pute. Cette vidéo va tellement être démonétisée. Va peut-être falloir que je commence à biper. Hein. En l'occurrence, puisqu'on parle de la saison 1, c'est la saison de la mise en place de schémas récurrents et notamment de catchphrases. Des catchphrases qui deviendront cultes et qui restent encore aujourd'hui ce qu'on demande aux comédiens quand ils vont en convention. William Corrine a apporté un soin particulier à ses petites phrases et réussit le plus souvent à faire mouche du premier coup, à l'inverse d'autres séries comme les Simpsons ou Futurama, qui ont eu besoin de quelques coups d'essai supplémentaires. Ouais, bonjour les enfants. Salut chef. Comment ça va? Mal. Mal, pourquoi? Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré! La saison est parsemée de jolies trouvailles, notamment dans l'épisode 6. William Corrine fait preuve d'une inventivité pour euphémiser le fait d'aller chier, c'est admirable. Vous aussi, vous devez déposer des amis à la piscine? Oh, oui, c'est ça, oui. Il y a quand même un truc sur lequel on n'a pas tranché, et sur lequel on n'a jamais vraiment tranché d'ailleurs, les chansons. De la première à la dernière saison en date, et même si la majeure partie du temps elles sont bel et bien doublées en français, la VF de South Park a toujours hésité entre traduire ou ne pas traduire les chansons, parfois au sein de la même saison. Je tire sur la lune et les étoiles dans le ciel. Je serai la caille
His name is James Cameron, the bravest pioneer. No budget too steep, no sea too deep. Who's that? It's him, James Cameron. Ainsi, certaines chansons de Chef vont bel et bien être adaptées et chantées par sa voix française, Jean-Michel Martial. Je vais te faire l'amour, ma beauté, t'allonger nu devant la cheminée. Et d'autres vont rester en version originale, par exemple la parodie de Michael Jackson ou Hot Lava. Après, le cas de Chef, il est un petit peu particulier. En VO, il est interprété par Isaac Hayes, un chanteur de soul extrêmement populaire outre-Atlantique. C'est un peu la star de South Park, dont le casting VO est majoritairement composé de Trey Parker et Matt Stone font les coups. There can't be anything in that agreement that allows a company to do what they're talking about to Kyle. I thought your family was rich. Nya 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 bla 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 bla. By clicking agree, you are also acknowledging that Apple may sew your mouth to the butthole of another iTunes user. So sorry, Kyle, but I am starving. That cartoon fiction is... It's so funny, it's so stupid. Du coup, oui, avoir des chansons de la série chantées par Isaac Hayes, bah, c'est quand même un gros plus, à tel point que certaines ont ensuite été commercialisées, que ce soit dans des CD singles ou dans des albums spéciaux. Say everybody have seen my balls, they're big and salty and brown. If you ever need a quick, pick me up, just stick my balls in your mouth. Certaines ont même été éditées en France, avec notre petite touche perso. C'est quoi ça? Et c'est une tradition française, quand il y a un truc qui marche, on fait du rap avec. Mais pourquoi? Je sais pas. Bref, c'est sans doute ce qui a influencé, parfois, le maintien des chansons de Chef en VO. Pour le reste, à mon avis, c'est une question de budget. On en a déjà parlé sur cette chaîne, mais pour faire des chansons propres dans une série, il faut avoir le temps de le faire bien, et de préférence avec un directeur ou une directrice musicale. Et étant donné que les chansons étaient plus volontiers traduites quand Canal+ arrosait de pognon la VF que quand Game One faisait des économies de bout de chandelle, à mon avis, c'est un problème de délai de production, et comme le temps c'est de l'argent, eh ben, il manquait de temps. C'est son temps. Il n'en a plus beaucoup. Mais que peut-on faire? Il faudrait lui donner plus de temps. Seigneur, ça a l'air d'être le bordel de votre côté parce que nous, on a traduit toutes les chansons sans distinction. Laissez-moi vous montrer de quoi je vous parle. Ce soir, laisse aller ton cœur. Tu sais, je veux te toucher où tu ne bronzes pas. Ce soir, laisse aller ton cœur. Laisse-toi faire. Tes baisers sont comme une éruption. C'est le lave. Chaque nuit où tu te donnes, c'est le lave. Oui, le lave va te faire l'amour. Mais quand je serai mort, mon body est peut-être froid. Mais c'est toujours chaud dans mon char. L'amour. Sois pas apeuré. Juste parce que mon cœur m'a pu, ça veut pas dire que je vais pas te baiser. Ouais, enfin, vous, vous traduisez tout sans distinction. Ouais, pis. Et rapide et dangereux. C'est quoi votre problème à vous, les Français, avec rapide et dangereux? Bah, c'est marrant, quoi, rapide et dangereux. Vaut toujours mieux une traduction en français plutôt que d'une traduction de l'anglais à l'anglish. T'sais, verbet trip, rock academy, happiness therapy, sex therapy, Broadway therapy. Ouais, ben, toi d'abord, hein. Ça veut dire quoi, ça? Et ta sœur, elle va le beurre? Ouais, alors, poète camembert, hein. Ok, qu'est-ce que tu voulais dire sur les chansons traduites? Ce qui m'a interpellé avec les chansons québécoises, c'est à quel point elles n'ont rien en commun avec la VF. Ouais, mais ça c'est normal, même si on utilise tous les deux le français, on a des mots et des expressions qui diffèrent. Non, je veux dire, rien en commun. Prenons par exemple la chanson « C'est dur d'être juif à Noël ». Il n'y a pas une seule ligne en commun. Quand c'est dur d'être juif à Noël, d'être un enfant du peuple d'Abraham. À Noël, c'est pas drôle d'être juif. Mes amis aiment mieux ceux qui leur ressemblent. Je peux pas chanter de cantique ou décorer un beau sapin, parce que je suis pas comme les autres, c'est ce que disent tous mes copains. Pas de chanson de Noël, de sapin ou mettre une étoile. Pas d'eau pour Rudolf dans l'écuelle, parce que je ne suis pas normal. Et autant certaines strophes françaises ont une vraie touche de William Corinne, autant c'est vraiment suspect sur des traductions qui me paraissent vraiment
intuitives, quoi. Le refrain, par exemple. I'm a Jew, a lonely Jew, on Christmas. Je suis juif et je me sens seul à Noël. C'est pas trop quand c'est Noël d'être juif. Selon moi, il y a une histoire de droits musicaux derrière tout ça. La SACEM en France, c'est un sacré bordel. Ça m'étonnerait pas que si le texte de William Corinne a été déposé dans les années 90, eh ben, on ait eu une obligation de tout retraduire pour pas avoir de problème. Si je peux me permettre, Hugo. Qui, entre parenthèses, devait bien arranger l'équipe de. Hugo, Hugo, Hugo! Quoi? D'après moi, tu vas chercher un peu trop loin. C'est juste qu'on traduit pas de la même manière, même intuitivement, comme tu dis. Puis je donnerai pas un cours sur l'évolution de la langue française au Québec, là, mais outre les différences évidentes comme l'accent, les expressions et les sacres, notre syntaxe peut aussi varier de toutes sortes de manières. Ce qui fait que des fois, la tournure de phrase la plus simple pour un Québécois sera pas nécessairement la plus évidente pour un Français, et vice-versa. Et donc l'expression « c'est pas drôle » te semble peut-être pas naturelle, mais ici, c'est une expression qu'on utilise tous les jours pour parler de situations très très graves. Et je te ferai remarquer que la version québécoise colle beaucoup plus à la bouche de Kyle. C'est pas drôle, je suis juif. T'sais, vous avez essayé de mettre le mot juif sur une bouche en forme de O. Genre, faites un effort, tabarnak. C'est bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas dire tabarnak. Tu peux plus dire quoi? Je peux pas dire tabarnak. 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 Quoi, tabarnak? Oui, voilà, c'est ça. Mais comment ça, toi, t'as le droit? Bah, tu sais, moi, je suis pas québécois, hein, donc pour moi, le tabernacle, c'est juste un meuble dans l'église avec les hosties. Avec les hosties? Ah, c***** Ah, c'est marrant. Puisqu'on parle des bips de censure, c'est un des éléments amusants à noter quand on compare les deux VF. Et c'est quoi ce délire là, avec ces deux bougies? J'en ai plein le cul d'allumer toutes ces hosties qui restent de calvaire de chader. En France, on s'est appuyé sur la version diffusée aux États-Unis des épisodes. Hey you squatty ass s***! What the f*** is wrong with you? You must be some kind of f***! To be able to ignore a crying child! Du coup, nous en France, on l'a traduit en prenant en compte tous ces bips de censure. Et d'ailleurs, si j'en crois le DVD de la saison 1, ce n'est pas de la censure, c'est de l'art. Mec. Hé, hey, bande d'extraterrestres de m***, revenez, revenez, vous êtes vraiment une bande insensible aux pleurs d'un enfant. Ouah, dur. Par contre, au Québec, le bipage est poliment ignoré. Hey, la gang de Nerexie de Corlys, c'est quoi votre aussi de problème? Faites-vous vraiment être une gang de Corlys de colons pour pouvoir ignorer un petit chiaoul? Oh, les gros. Visiblement, vous, au Québec, vous en sacrez les gosses, hein. Pardon? Bah, vous vous en battez les couilles. C'est pas comme ça qu'on dit au Québec? Ah ben oui, c'est exactement comme ça qu'on dit. Bravo, Hugo! Ah, ouais, je le savais! Ça y est, je commence à sentir le sirop d'érable qui coule dans mes veines. Ouais, laissez pas trop monter au cerveau, le sirop, par contre, hein? Personnellement, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder l'adaptation québécoise dirigée par Joanne Garneau et écrite par Benoît Rousseau, qui a aussi écrit les paroles du générique. Oh, mon Dieu! Ils ont tué Kenny! Maudit chien, ça! Mais j'ai une confession à vous faire. J'avais pas vraiment écouté South Park avant. Quelle indignité. Ben là, excusez, j'avais pas ça, moi, Télétoon, quand j'étais petit. T'avais jamais vu South Park avant? Ben, j'ai des amis, là, quand leurs parents étaient pas là. Pis si on veillait à 7 ans, on pouvait même voir Anne-Marie Lozic. Et ça, c'était... marquant. J'étais au courant de ce que c'était, j'en avais entendu parler, j'avais vu des extraits. South Park, c'est tellement gros, j'aurais pas pu l'éviter si j'avais voulu. Mais j'ai écouté mon premier épisode complet de la série avec la VFQ et j'ai été agréablement surpris. C'est drôle, c'est bien adapté et c'est toujours agréable d'avoir une raison de regarder des dessins animés lancés de gros sacres gratuitement. Oh petit maudit enfant de chienne! Gros plein de merde, ta mère m'écoeure! Qu'est-ce que t'en sais, grosse face à claque de mongole? Ça là, c'est un vrai petit enfant de chienne! Les sujets et le style sont peut-être un peu datés vu qu'on parle d'épisodes qui datent d'environ 20 ans, mais dans leur contexte historique, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter ça. Comment ça, daté? Ben, par exemple, Big Gay Al. C'est, on a un épisode complet qui traite de l'homosexualité comme quelque chose d'étrange qui justifie que le personnage de Big Gay Al soit en retrait de la société. Pour vous mettre en contexte, le mariage gay est légal au Québec depuis 2004. Puis y a personne qui est sorti dans les rues à ce sujet depuis. Ah ouais, qui aura l'idée d'aller manifester dans les rues pour empêcher les homos de se marier? N'importe quoi. Hein. Ben oui, faudrait-tu être assez cave, hein? Ah ben ouais, c'est clair. Lui dites rien pour la manif pour tous, il est pas au courant. De mon côté de maudit français, eh ben j'ai beaucoup aimé cette adaptation. Les dialogues sonnent naturels, sont respectueux de la VO et ne manquent pas de piquant ni de vulgarité. Vous êtes une race de tabarnak! Vous êtes le genre à aimer ça quand votre père puis votre mère fondent dans le salon et que ça vous empêche de regarder
barbe et vos flammes de cul. Après, encore une fois, il faut pas oublier, quand on est un niaiseau de français, qu'un tabarnak au Québec, c'est pas du tout un mot courant. Si vous avez 8 ans et que vous dites tabarnak, votre maman, elle va vous engueuler. C'est un peu comme putain en France. Comme putain? Putain? Est-ce que t'essaies de dire putain? Oui, exactement, putain. Ah, putain! T'as raison, c'est drôle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jurons, de sacres qui sont assez forts et assez multiples, mais évidemment, pour pas tomber dans la facilité et la grossièreté gratuite... C'est vrai que ce sera dommage pour South Park. Bon, ok, disons pour doser la grossièreté, on alterne entre de très gros mots tels les tabarnak, calice et hostie, et des jurons plus doux, vieillots, anachroniques, qui conservent un caractère très québécois, mais avec un certain cachet coloré. Des expressions comme bout de vierge, calvaire et... citronnelle. Non, Monsieur Garrison, on peut pas envoyer tous les Mexicains citronnelle. Et ça donne un aspect très authentique à la langue utilisée dans le doublage. Ma seule déception, c'est que beaucoup trop de références américaines sont conservées dans l'adaptation. Avec les Simpsons et les Griffin, par exemple, on est habitué à ce que pratiquement tous les noms de personnalités américaines soient remplacés par des équivalents québécois. I hated the Roosevelts and all them family dynasties. The Kennedys, the Bushes, John Voight and Angelina Jolie. Y a les Trudeau, les Bush, Michel Côté puis Maxime Le Flaguet. Well, I like Stephen Colbert, but that's because I don't get the joke. Ben, j'aime Jean-Thomas Jobin, mais c'est parce qu'on prend rien de ses farces. L'un dit à l'autre, mardi que t'es maigre. Le maigre dit, ben jeudi que mon vendredi que ça me dit de manger, ben il dimanche. Vache, mais c'est nul! Alors que dans South Park, les références sont gardées telles quelles. Patrick Duffy! Patrick Duffy? Calvaire Cartman, c'est pas épeurant! Pas épeurant? Y'a-tu déjà vu la face à Duffy? Ce qui est dommage, parce que moi, je le sais pas c'est qui Patrick Duffy. À vrai dire, moi non plus, je sais pas qui c'est Patrick Duffy, mais l'AVF nous a bien gentiment laissé un repère culturel. Patrick Duffy? Putain, Cartman, ça fait pas peur! Qu'est-ce que tu racontes? T'as déjà vu un épisode de Dallas? Quand, comme moi, on connaît la VF sur le bout des doigts, c'est assez amusant de comparer comment ont été traduites certaines expressions, certains mots, certains titres. Pour une oreille française, ça sonne un peu drôle. Genre Jésus et ses chums. De retour à Jésus et ses chums sur Accès Public South Park. Yeah! Beaucoup d'entre vous cherchent des réponses. Et je serai votre chemin, mes enfants. C'est vrai que c'est un super bon coup des adaptateurs. Jésus et ses chums, genre, c'est tellement désinvolte qu'il n'y a jamais une émission religieuse qui s'appellerait comme ça. Oui, non, je pense pas vraiment dans ce sens-là, mais bon, c'est vrai qu'en VF aussi, Jésus et ses potes, ça fait un peu débrailler, c'est plutôt rigolo. Et retrouvons maintenant Jésus et ses potes en direct de nos studios. Ah, mais tu pensais dans quel sens, d'abord? Ah non, c'est juste le mot chum. Jésus et ses chums. Ah, vous avez de ces mots, les Québécois. Ouais, mais Jésus et ses potes, ça fait un peu émission pastorale du dimanche matin, là. Ah oui, ça fait ringard, quoi. Ouais. Catano boot. À tes souhaits. C'est français. En dehors des expressions typiquement québécoises qui feront rire ces astiques français, il y a quelques trouvailles qui sont purement et simplement géniales en elles-mêmes. Des pépites qui feront rire n'importe quel francophone, quel que soit le genre de beurre qu'il met sur ses biscottes. Ben oui, on peut penser à cette jolie blague sur les excréments. Ça sort dans le bol comme de l'art abstrait. Miam, c'est chic. Évidemment, mon gag préféré, c'est quand Stan lance des mots d'église et que Jésus est pas content. Saint-Cybole! Pas beau de ça! Sinon, je déplorais tout à l'heure le fait que ça manquait de références québécoises, mais ça veut pas dire qu'il y en a aucune. T'es supposé être qui, Stan, fanfreluche? Et en même temps, je veux dire, il lui ressemble tellement, ça aurait été un peu niaiseux de passer à côté d'une référence aussi évidente. De mon côté, j'ai aussi mes petites trouvailles préférées. Mais j'ai ça gros cul! Sais-tu ce que le monde dit quand tu te promènes? Wow! Maudit, est-ce que ça bute quand tu recules? Non, c'est faux! C'est juste la jalousie! Maudit, est-ce que ça bute quand tu recules? Mais la meilleure pour moi, ça reste quand même celle-là. T'as compris? Tu restes loin de mon homme, bitch, où je vois tellement de beauté que tes deux fesses sont plus le même code postal! J'admets que c'est une très jolie trouvaille. Ouais, mais ça, c'est le génie des adaptateurs québécois. C'est pour ça que nos adaptations sont supérieures. Wow, attends, tu veux qu'on se batte, là? C'est ça, tu veux qu'on se batte? Ah ouais. Viens-t'en ici, je vais te faire écouter Histoire de jouer puis Rock'n'Roll. Là, ces films n'existent pas, je ne vois pas de quoi tu parles. La distribution au Québec est plutôt soignée. Sébastien René fait la voix de Kyle, c'est Nicolas Savard-Lherbier qui fait Cartman et Kenny, et la voix de Stan est jouée par Xavier Dolan. Chérie! Avant que tu m'arranges le portrait comme ça, pas de bon sens. Je veux juste que tu saches une affaire. Que t'es ma sœur, toi, pis que je t'aime. Xavier Dolan? Ouais, mais tu le savais pas. Xavier Dolan, il fait beaucoup de doublage au Québec. Si, bien sûr que je le savais, mais les spectateurs, peut-être pas. Je voulais introduire une sorte de narration, un effet de manche, tout gâché, là. Ah! Désolé. Tout le monde connaît les doublages de Xavier Dolan. La voix de Ron Weasley. T'as pas des grosses lunettes ni ta coiffure de malade, mais...
Je suis capable de reconnaître Xavier Dolan. Je pense aussi qu'il a fait quelques films, mais je suis pas trop au courant. Là. C'est surtout la voix de Timothée Chalamet, Eddie Redmayne et Taylor Lautner. D'ailleurs, c'est Nicolas Savant-Lherbier qui fait la voix de Edward dans Twilight. Il s'est passé quoi, un chandail? Blague à part, Xavier Dolan a vraiment une grande présence dans nos doublages. À chaque fois qu'il y a un jeune acteur dans la vingtaine, vous pouvez être certain qu'on appelle Xavier. Et en plus, sa carrière en doublage, il en est très fier. J'ai commencé très jeune à jouer à l'écran, mais très tôt aussi à travailler dans le monde du doublage. À Montréal, monde dans lequel encore aujourd'hui, je travaille, chaque fois que j'en ai l'occasion, par amour, par passion de cette incroyable gymnastique pour l'esprit d'un acteur. Mes amis doubleurs ont formé mon imagination et structuré ma langue et mon caractère. Eux qui œuvrent dans l'ombre, ils m'ont aidé à grandir comme artiste, mais m'ont aussi éduqué comme enfant, puis un jour comme adulte. Ils m'ont toujours soutenu, aidé, cru en moi, quand peu de gens y croyaient. C'est drôle, les voix des enfants sont assez méconnaissables. On dirait presque que Xavier, Nicolas et Sébastien ont été accélérés. Oh, pourquoi tu fais ça, donc? Ça, c'est pour ta stupide mère. Elle m'a fait manquer Terrence et Philippe hier soir. Ouais, c'est quoi la bonne idée qu'elle a eue d'appeler toutes nos mères hier soir? Ou c'est peut-être tout simplement leur manière de jouer. Si on n'est pas surpris de la présence de Nicolas Savard-Lherbier qu'on est habitué d'entendre dire des ordures... Allez chier, mes deux Chris, c'est votre job de filtrer ces hosties d'épais-là! C'est peut-être plus surprenant de constater que l'international Karine Vanasse prête sa voix à Wendy. Ça change de ses rôles habituels, ça c'est sûr. Sinon, les habitués des Simpsons vont reconnaître la voix de Benoît Rousseau qui fait l'adaptation et Jimbo, et Joanne Léveillé, notre Bart Simpson à nous, hey, caramba, qui fait la voix de Madame la mairesse. Et finalement, il y a Widmer Normil qui fait la voix de chef qu'on a pu voir entre autres dans l'adaptation québécoise de Brooklyn Nine-Nine. Je suis un robot. C'est très mauvais. Oui. C'est la pire voix de robot que j'ai entendue de ma vie. Oui. Et Alex Perron qui fait sa première et seule apparition dans le monde du doublage en faisant les voix de Monsieur Garrison et Big Gay Al. Et tout ce beau monde-là a effectué un travail exceptionnel. Ça s'entend que c'est des professionnels qui ont beaucoup d'expérience derrière la cravate. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi, Hugo? Tu trouves qu'ils se débrouillent bien? Ah ouais, de ouf! Quoi? De ouf? Oui, de ouf. De ouf. Quoi? Non, non, rien. De ouf. Est-ce que tu serais pas en train de te foutre de ma gueule par hasard? Ah, mais non, mais non, mais non. Pas par hasard, non. Côté français, c'est un noyau dur de comédiens qui se partagent encore aujourd'hui le travail et les personnages. William Corrin, la voix de Jackie Chan et de Jackson dans Star Trek, interprète Kyle et Kenny. Thierry Vermut, la voix de Tintin, interprète Stan et Randy. Et Christophe Lemoine, la voix de Sam Gamgee et de Jack Black, interprète Cartman et Butters. Ils se partagent également les personnages secondaires avec Marie-Laure Beneston, Gilbert Lévy et Pierre-François Pistorio. Étaient également présents dans l'équipe de base Henri Courceau et Jean-Michel Martial, sans parler d'un nombre épatant de guests dispersés de ci de là au fil des saisons, comme Alexis Thomasian, Marc Cassot, Michel Papineski ou encore Joël Guigui, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Je pourrais partir avant toi, vieux. Va te faire champouiner. Mais dis-moi donc, y en a-tu qui sont meilleurs ou moins bons? Bah, je sais pas, tout le monde est bon. Mais là, c'est pas très objectif, ça, tout le monde est parfait. Bah ouais, mais t'es marrant, toi, cette équipe, je la connais depuis 25 ans. Comment tu veux que je te dise, après tout ce temps, qui se débrouille moins bien qu'un autre? C'est bon, c'est communément admis que c'est une équipe du tonnerre, et puis voilà. L'interprétation de Christophe Lemoine en Cartman, bah elle est devenue ultra culte, à tel point qu'on la lui demande parfois sur d'autres personnages. Ah! Oh, salut bébé, ça va? Tu es là depuis combien de temps? J'ai plein de choses à faire et j'ai un de cette chaîne devant moi qui me dit qu'il ne vient pas chercher sa livraison! Au début, sa voix, il était vraiment comme ça, très. Il parlait pas. Après, je le vois commencer à parler un petit peu plus comme ça. Et maintenant, de temps en temps, il parle vraiment comme ça, moi. William Corrin, il arrive avec malice à nous faire comprendre à demi-mot ce que dit Kenny. Une turlute? Tu veux que ta mère fasse une turlute? Wendy, elle est toute mimi. Butters, il est tout naïf. Randy, c'est un gros con. Et Stan, eh ben, c'est Stan. Mais je suis un médium! Non, je te dis que t'es un connard! Je suis pas un connard. Et si moi j'y crois vraiment que les morts me parlent? Et alors, t'es un super connard! Ok, mais on va pas juste dire que tout le monde est beau, bon et capable. Il y a certainement quelque chose à dire sur, je sais pas, le choix des comédiens, une petite trouvaille dans la distribution, l'interprétation, quelque chose. Globalement, des petites trouvailles, il y en a plein. Comme souvent sur les séries d'animation, chaque comédien choisi est capable de faire plusieurs personnages faciles à distinguer, quitte parfois à tomber dans la caricature. La grosse caricature. Avoir un ami imaginaire, c'est très bien, mon fils, mais il faut que tu en trouves un autre. Oh, wow, je pense pas qu'un accent comme ça aurait pu passer au Québec. Et c'est drôle maintenant que j'y pense, c'est Manuel Tadros, le père de Xavier Dolan, qui fait la voix de Gérald. Et s'il y a bien un acteur à qui on demande de faire des accents vu qu'il est égyptien, c'est Manuel Tadros. Ah, c'est un accent qui a un sens et une origine, l'accent dit pied noir. Oh, attention, hein, c'est moi qui dis Brozouf. Vous êtes du nord de la galaxie, vous dites Brozouf. Il est lié à l'immigration juive des années 50 en Europe qui faisait suite à l'indépendance des pays d'Afrique du Nord. Et s'il correspondait à une réalité, notamment dans les années 80 avec des personnalités juives,
juive à l'accent marqué, il a très vite dérivé pour devenir un accent rigolo, associé par défaut aux juifs nouveaux riches à bagouze, aux vendeurs de tapis, et donc teinté d'antisémitisme ordinaire. Et s'il est vrai qu'il faut parfois forcer le trait pour doubler un dessin animé, bah ce genre d'accent sur un personnage juif, c'est un peu comme l'accent congolais sur un personnage noir. Bonsoir Chicken, est-ce que l'école s'est bien passée? Maman, papa, pourquoi on a une plus grande maison que tous les autres gens de South Park? Alors on est d'accord que South Park c'est une série qui prend pas de gants avec un certain nombre de stéréotypes. Mais dans la mesure où Gérald et Token ne sont pas caricaturés en VO, il n'y a aucune raison qu'ils le soient en VF. Je pense que si South Park était doublé aujourd'hui, on ne ferait sans doute pas cet accent-là. Du reste, c'est un vrai défi de créer une voix quand on est sur ce genre de série un peu chorale, où chaque personnage est susceptible d'avoir son heure de gloire, son propre épisode. Et c'est parfois dans ces moments-là qu'on regrette de ne pas lui avoir trouvé de personnalité propre. Et ça, l'équipe de South Park en a pleinement conscience. Ainsi, le personnage de Jimbo, l'oncle de Stan, chasseur et alcoolique, pléonasme, est interprété avec un côté un peu redneck, qui appuie fort sur les consonnes dures, les T, les P, les D. C'est vrai quoi, chasser sans bière, c'est comme... pêcher sans bière. Le personnage reçoit un traitement assez similaire au Québec, avec Benoît Rousseau qui aspire ses J et ses CH comme s'il venait du lac Saint-Jean, ou ben donc du fin fond de la Beauce. Ouais, mon accent bosseron est à revoir, je pense. Il y a toute une telle de choses qui sont bien importantes à comprendre quand on chasse pour la première fois. Puis la première, c'est qu'il faut jamais marcher avec un fusil si le grain de sûreté est pas dessus. Attends, il y a plus d'un accent québécois? Mais franchement, c'est sûr! As-tu vu la grandeur du territoire? Après 400 ans, comment voudrais-tu qu'on ait conservé un seul accent québécois? Il y a le gaspésien, le saguenéen, le beauceron, le madelino, le montréalais, le joual, puis je te parle pas des accents franco-canadiens hors Québec, là. Mm-hmm. Et du coup, toi, c'est quoi ton accent? Attends, je suis né à Rimouski, j'ai fait mon primaire en Montérégie, j'ai gradué en Beauce, j'ai déménagé à Montréal. Je sais pas. Hmm. Ouais, t'as un problème d'identité, quoi. Tu veux qu'on en parle? Ah mon dieu, ça... Comment t'as fait ça? La marionnette de Monsieur Toc, elle, est interprétée en fermant une partie de la bouche, comme si Monsieur Garrison, qui faisait sa voix, était... un mauvais ventriloque. Dites, Monsieur Garrison, c'est extraordinaire! Tout à fait, Monsieur Toc. Et mine de rien, ça, ça n'existe pas en VO. Gosh, Mr. Garrison, this sure is exciting. That's right, Mr. Hat. Et au Québec, c'est Alex Perron qui joue le rôle de Monsieur Garrison et Monsieur Cass, et si lui, il ne se pince pas les lèvres comme s'il était ventriloque, il se donne une espèce d'air français normatif raté. Un peu comme s'il essayait d'imiter les personnages d'émissions de télé éducatives. Monsieur Cass va tout nous raconter la belle histoire de Christophe Colomb. C'est vrai, Monsieur Garrison. Christophe Colomb a fait la découverte de l'Amérique. Avec les Indiens, c'est leur meilleur ami. Ah, tu t'en doutais pas, hein, que je m'étais caché dans la boîte pour te donner une bonne leçon. Pour me donner une bonne leçon, qu'est-ce que tu racontes? C'est le même genre d'accent que les enfants prennent quand ils jouent au chevalier, au sorcier ou au super-héros, donc ça lui donne même une couche un peu juvénile. Attends, les enfants québécois, ils jouent avec un accent normatif? En tout cas, ils essaient, et c'est normal parce que c'est ça qu'ils entendent au cinéma. Les magiciens, les Jedi, les agents secrets, ça parle pas en québécois, ça parle en français normatif. Ouais, un peu comme dans Le cœur à ses raisons, quoi. Oui, c'est un peu ça. Bon Dieu! Un cri dans la nuit! Le cœur a ses raisons, c'est une série qui parodie les soaps américains du genre Les Feux de l'amour, qui sont évidemment diffusés au Québec avec un doublage français et non québécois. Ainsi, lorsque les acteurs imitent le genre du soap, le style du soap, ils imitent également le parler normatif de la version française, ce qui donne ce jeu si reconnaissable et si... particulier. Cette literie satinée a transformé mon lit en une véritable glissoire de la mort! Maudit drap de satin, laissez-nous nous aimer! Nous devons copuler! Dans la VF, on retrouve un petit peu ça chez Madame le Maire, qui est interprétée avec un ton un peu ampoulé, comme si elle voulait donner un air important. Oui, si j'arrive à montrer tout ce que j'ai fait pour cette ville depuis mon élection, je deviendrai sûrement sénateur! Vous pourriez peut-être même siéger au Sénat. Un air ampoulé et important qu'elle peut perdre en une fraction de seconde si elle laisse le naturel reprendre le dessus. Contentez-vous de faire entrer le neurologue. Géologue. Tu es viré, mon pote! Merci madame, ce fut un plaisir de travailler pour vous. Quant à Al Supergay, il est interprété avec un côté précieux et fabulous, directement tiré de la VO. Hi fellas, it's so super to see you! Wow, seems like the animals here are really happy. Of course they are, silly buns! It's the one place where gay animals can really be themselves. Do you like to dance? C'est magnifique, je suis tellement content de vous voir! On dirait que tous les animaux sont heureux dans ce refuge. Bien sûr qu'ils le sont, il est fait pour ça. C'est le seul endroit où les animaux homosexuels peuvent rester eux-mêmes. Hein, tu peux danser? On a la même chose avec Madame la mairesse. Hein? On n'est pas dans les années 50. Tu parles d'un air ampoulé? Ben, Joanne Léveillé se donne à l'occasion un simili-accent français raté qui lui donne l'air de quelqu'un qui se force pour bien perler. Particulièrement dans l'épisode de Cathy Lee Gifford. Cathy Lee Gifford à South Park.
Oh, mon Dieu! Enfin, c'est notre chance de se mettre sur la map Otakville, de révéler que nous ne sommes pas juste une ville pleine d'épais de colons. Big Gay Al est doublé encore une fois par Alex Perron, un super coup de génie, car rappelons-nous qu'à une époque, Alex Perron était le seul homosexuel du Québec. Eh non, il n'y en avait pas d'autres. C'est pas vrai. Ben, en fait, c'est juste qu'il y avait moins de représentations LGBT dans les années 2000, et Alex Perron s'est bâti une carrière sur une version exagérée de son homosexualité. Coupe Twitter. Moi et mon 25e mort en carrière. Et comme je l'ai mentionné, il s'agit du seul doublage qu'Alex Perron ait fait et il a fait un travail impeccable. Eh oh, le cliché là, ça va bien. Oui, mais moi j'ai le droit, Hugo. Mais j'ai le droit, Hugo. Merci. Terminons avec Jésus, à qui William Corrine donne un côté apaisé, bienveillant. Oui, crois en moi, mon fils. J'ai appelé la semaine dernière pour un conseil concernant mon ex-femme. Tout à fait, Robert. T'ai-je été utile? Et au Québec, je sais pas c'est qui fait la voix de Jésus, mais il est génial. Il a donné un petit air sassy, une attitude de quelqu'un qui a pas le temps de niaiser, mais qui est efficace en maudit. Mario de Aspen Park, c'est ça? Comment ça, vous savez ça? Oui, peut-être bien parce que c'est moi le fils de Dieu, mon petit champion. Alors, vous avez une question? En résumé, chacune des équipes a trouvé son petit personnage, son petit équilibre et des petits traits de personnalité, et ça, c'est très plaisant. C'est peut-être même un tout petit peu plus marqué en version québécoise. Après, voilà, c'est un plus, mais entre nous, il n'y a pas vraiment besoin de ça pour nous faire rire. C'est-à-dire? Bah, quoi? Bah c'est drôle le Québécois, voilà, hosté de tabarnak de Carlos d'Orignal, bon, on va chercher mon char avec mon chum, et puis on va prendre ma blonde, maudit niaiseux un Chris. C'est drôle quoi, non? Non? Ok, tu veux jouer aux imitations? Pas de problème, petit emmerdeur, parce que t'es relou, à la fin tu me casses les couilles. Oh regardez les protons québécois, je comprends pas ce qu'ils disent, c'est trop rigolo quand ils parlent. Écoute-le, regarde-le comment qu'ils parlent. Tu veux peut-être aller faire du shopping? Aller porter ton veston au pricing et aller faire un running après? Tu vas peut-être aller picoler une bouteille de Bordeaux avec ton poteau Robloch en roublard? Il faut simplement respecter le produit pour le complimenter, le produit. Ok. T'es belle. Le produit, faut le respecter, pas comme les gonzesses. Ok, arrête. Sarkozy! Ok, d'accord, c'est pas rigolo. Parce qu'il faut comprendre que l'accent québécois a longtemps été stigmatisé au Québec. Considéré comme une langue sale et peu éduquée, c'était la langue des ouvriers et du petit peuple. Alors comment tu procèdes? T'es pas engagé par le magasin, toi? Ah non, faut que je rentre dans le magasin pour demander aux personnes s'ils veulent délivrer leur commande. Si on voulait être perçu comme crédible et éduqué, il fallait avoir un français plus propre, plus net, plus français. Je ne magasine toujours qu'avec des cartes de crédit. Au théâtre, jusqu'à une certaine époque, c'était même impensable de jouer en québécois. Il a fallu attendre les années 60 et Michel Tremblay pour enfin s'entendre parler au théâtre. De quoi? Qu'est-ce que là, Monique? Moi, t'ai stampé ma main dans la face si tu me réponds pas. Vous pouvez regarder des vieux vox pop des années 60 et voir comment les gens deviennent inconfortables devant la caméra parce qu'ils se forcent à bien parler pour pas avoir l'air trop québécois. Nous allons ensemble avec mes parents à la messe de minuit. Ensuite, nous avons le dépouillement de l'arbre, nous échangeons les cadeaux. Et même si aujourd'hui la langue québécoise est beaucoup plus assumée et célébrée, parlée sans complexe par les politiciens, les animateurs télé et les journalistes, il reste quand même des traces de cette histoire-là. Et on peut même parfois percevoir un jugement dès que certaines personnes parlent trop québécois. Donc, oui, vous aimez peut-être nous taquiner avec ça, mais le québécois, c'est notre langue. On s'est battu pour elle et on continue de se battre pour elle. Et je n'arrêterai de me battre que lorsque l'Amérique tout entière parlera le québécois. Alors au final, que vaut la version québécoise de South Park? En tant que français, bah, je l'ai trouvée plutôt convaincante. Alors évidemment, il faut s'ouvrir l'esprit à un nouveau doublage. C'est pas forcément évident quand, comme moi, on a grandi avec les cassettes des premiers épisodes depuis qu'on est gamin. Mais attends, tu regardais pas South Park quand t'étais petit quand même? Quoi? Non, bien sûr que non. Puis toi non plus, j'imagine que les extraits que t'as vus, t'étais majeur et vacciné. En tout cas, y a personne pour témoigner du contraire. Pour accuser quelqu'un, il faut avoir ce qu'on appelle des preuves, n'est-ce pas? Exact, docteur. Bref, une fois cet effort fait, on passe un très bon moment. Les comédiens sont bons et les textes regorgent de jolies trouvailles dont William Corrine n'aurait pas eu à rougir. C'est quoi ton nom, le gros? Bobo. Dans papy. Quoi, t'as dit que son nom c'était David? Ouais, David Van Vide. Donc même si, évidemment, je reste attaché à la VF avec laquelle j'ai grandi, ben, je vais pas non plus mentir en disant du mal d'une VF qui, ma foi, m'a semblé fort sympathique et distrayante. Étant donné que j'ai découvert South Park grâce à toi, avec la version québécoise, j'avais aucun attachement à la version française et je dois dire que l'adaptation était excellente.
J'ai ri en masse, les comédiens étaient super bien choisis, vraiment une distribution en or, et même si j'aurais adapté davantage de références culturelles, les traducteurs se sont largement rattrapés avec les dialogues et les sacres qui sont donnés en quantité et en variété. Asti, gros tas de marre ! Gros pas brillant sans dessin ! Mais du coup, je comprends pas. Si moi qui suis attaché à la VF de base, j'ai trouvé ça cool, et que toi qui es québécois et qui connais pas la VF de base, t'as trouvé ça cool, pourquoi il a bidé ce doublage ? Bidé ? Pourquoi il a fait un four ? Un four ? Pourquoi il s'est ramassé ? Oh, mais pourquoi il s'est viandé ? Pourquoi il s'est croûté ? Il s'est gaufré ? Il s'est banané ? Hugo, lâche le lexique de la cuisine, là, puis parle avec une langue que je comprends. Oh, mais... Pourquoi il a pas trouvé son public ? Attends, je me demande plutôt comment la VF a trouvé un public au Québec. C'est si bon. Je pense pas que la qualité du doublage soit en cause. On vient d'établir que c'est un doublage de qualité supérieure. Mais selon moi, tout est une question de timing. Diffuser la première saison d'une série qui avait commencé 12 ans auparavant, c'était peut-être pas la meilleure décision. Et donc, difficile d'aller trouver de nouveaux fans vu que les scénarios datent un peu, et difficile d'aller satisfaire les fans de la série originale qui ont probablement pas envie de retourner aux tout premiers épisodes et qui sont probablement aussi très attachés au doublage qu'ils connaissaient déjà. Ils auraient peut-être dû suivre le modèle du doublage québécois des Griffins, que tout simplement débuté là où la série était rendue, à la saison 8, sans ressentir le besoin de redoubler tout depuis le début. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai appris avec les années, c'est qu'en doublage, l'élément qui prédomine, c'est l'habitude. Les gens vont toujours préférer le doublage avec lequel ils ont grandi. C'est pourquoi, par exemple, les fans français d'Harry Potter vont s'arracher les oreilles s'ils entendent le doublage québécois, et vice-versa, alors qu'il n'y a pas une version qui est nécessairement supérieure à l'autre. Je suis Malfoy. Drago Malfoy. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de place à l'ouverture. Il y a des personnes comme toi et comme moi qui sont tout à fait intéressées à écouter de nouveaux doublages. Mais en discutant avec des fans québécois, on m'a dit qu'à la sortie de la VFQ de South Park, la réaction du public a été assez virulente. On voulait la version qu'on connaissait déjà, la VF. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que ça vaut pas la peine de redoubler quoi que ce soit après 10 ans. Bah, tu viens de résumer tout le concept de redub, en fait. Oh ben, gadons ça. Comme par hasard. Évidemment, on peut pas tout résumer à « le premier doublage est le meilleur », et je pense qu'on aura bientôt l'occasion d'en reparler. Mais clairement, l'aspect nostalgique compte beaucoup, et cette vécue, ben, elle est arrivée bien trop tard pour le public québécois. De notre côté, avec Alex, on est persuadé que ce doublage québécois est très bon, y compris quand on connaît déjà la VF. Alors seulement les 4 premières saisons ont été doublées et diffusées, et la seule saison encore trouvable sur le web, c'est la première. Alors la question « faut-il regarder South Park en VF ou en VFQ ?» ne se pose pas vraiment. Mais la version québécoise de South Park reste une belle rareté, aussi drôle pour les habitués que pour les néophytes, pour les Français comme pour les Québécois, et si vous êtes un peu curieux et fan de South Park, cette version québécoise reste une anomalie assez plaisante à découvrir. C'était magnifique, vieux! Ça a marché ? Non, il se barre. Voilà, merci à vous d'avoir regardé ce redub un petit peu particulier. Un immense merci à toi, Alex, pour avoir apporté ton éclairage québécois sur la question. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Topcorn et à jeter un œil à sa vidéo sur le doublage québécois de Aladdin, qui est particulièrement intéressante. Quoi ? Moi ? Intéressant ? Voyons, jamais autant que toi. Arrête. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire, à me soutenir sur Utip et Tipeee. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut. Say everybody, have you seen my balls?